Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 21 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé le 7 de feu. Alors le feu, ça représente... les énergies, c'est le niveau énergétique. L'essence de cette carte, c'est la capacité à tenir bon, n'est-ce pas? C'est aussi la bravoure, le courage, la présence, l'opiniâtreté, la percée, etc. Le message intérieur de cette carte, n'est-ce pas? Évitez de trop vous identifier intérieurement à vos difficultés extérieures. Vous savez, même si vous ressentez en ce moment un certain manque d'assurance en vous, vous pouvez faire confiance, n'est-ce pas, à votre être intérieur. Mais vous n'y arrivez pas souvent. Il vous importe désormais de ne pas renoncer et de transformer les obstacles éventuels en une chance pour atteindre une conscience plus élevée plutôt que de les considérer comme insurmontables. C'est vrai, on a toujours, lorsqu'on a des obstacles devant nous, « Waouh, encore !» Mais non, ça nous fait avancer, on les dépasse, donc on se dépasse. C'est formidable, n'est-ce pas, d'avoir des obstacles devant soi. Alors, la manifestation extérieure, eh bien, même si vous devez un peu jouer des coudes dans votre quotidien, la situation vous donne le sentiment d'avoir encore plus de confiance en vous. Et maintenant, c'est quoi? C'est votre vérité qui compte, n'est-ce pas? C'est pas celle des autres. Vous pouvez maintenant apprendre à répondre de vous et à ne faire aucun compromis. On vous invite à vous préserver, à préserver votre centre intérieur et permettez aux circonstances, eh bien, tout simplement de se dénouer. Vous savez, votre courage intérieur, eh bien, elle est là. Une flamme qui ne s'éteint jamais. Soyez persévérant. Très, très beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution. Le divin est actuellement à l'œuvre. Alors, fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendus, tout va bien. Vraiment un message réconfortant, n'est-ce pas? L'endurance, voilà, l'endurance. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.